Le retour de la marmotte Dark Souls 3 de l'amour. On va aller visiter les petites ruines démoniaques où je me faisais bolosser il y a quelques niveaux. A voir si ça se passe mieux cette fois-ci. Attendez, on va mettre le café sur le rental car. On va se mettre là. Parfait, très bien, on y croit. Donc la dernière fois que je venais ici, les ennemis me bolossaient. Comme mieux cette fois-ci, je pense que je vais pouvoir avancer par là. Mais la musique elle revient, ne vous inquiétez pas, c'est l'avantage de la musique. Ça repère, ça revient. Non mais 8 heures plasmide, si tu me dis la position d'un seul objet, ça va m'énerver, je m'en fous si je les rate. Je ne veux pas savoir où ils sont, c'est du backseat, ça ne m'intéresse pas. Si je voulais jouer en connaissant la position de tous les objets, j'irai sur internet en regardant un let's play ou un walkthrough ou un truc pour voir tous les objets. Je m'en fous si j'en rate plein. Ok. Putain, c'est la violence cette zone. Ce niveau, c'est l'angoisse. Bah, le boss avant, a priori, je l'ai tué trop tôt. C'est marrant, c'est que des démons qu'il y avait dans le premier, j'ai l'impression qu'ils sont. En tout cas, je m'en fous, j'ai un fragment d'os de mort vivant. Lâche-moi, saloperie! Ah, je me suis fait bête par le truc. Il m'a sauté dessus, il m'a sucé jusqu'à... Bah, rien en fait, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, oh, ça va, c'est un rat. J'ai failli flipper mais c'était un rat donc ça va. C'est chelou, tu passes de gros ennemis balèzes à des rats. Enfin, j'ai rien contre les rats, mais c'est pas trop ma définition de gros ennemis balèzes. J'ai tellement l'impression que c'est un labyrinthe de merde à la Etrian Odyssey. C'est bien ça. Et après quoi, je vais voir le roi des rats. Comme dans Dark Souls 2. Dark Souls 2 c'est tellement ridicule ces trucs avec les rats, les rois des rats et tout. C'est tellement aucun sens. Alors c'est bon, il ne pointe pas vers moi. Ah les boss, ces mobs de l'enfer depuis le premier qui te... Les bons vieux crapauds. Oh la vache! Ah je suis mort, sinon c'est bon, je suis pas mort. Putain, ils sont 1000! Ça l'a pris. Tellement chiant ces monstres.
attention à droite, quel connard. Attention partout, ouais. Putain, il y en a tellement mille. J'ai l'impression d'en tuer, mais que ça vient en boucle. Putain, heureusement que j'ai tout shot, hein. C'est plutôt pas que c'est tout shot. Allez. Au coup, une écaille titanite, ça c'est nice. Piège sur 20. Ah bah non, je suis con, c'est pas piège sur 20, je peux pas passer. Je sais même pas ce qu'il y a par là en fait. C'est une zone, je sais pas pourquoi elle est là. Ça m'a l'air de puer du cul par là, il y a des crânes partout, on va remonter. Je suis totalement paumé. La seule chose positive que je vois là-dedans, c'est que 1, c'est un chevalier que je connais. Que 2, jamais je me combats quand il y a de la lave autour. Le 3 il est super fort. Quel enfer. Il n'y a pas de carte dans Dark Souls. Non, ce serait trop facile. Il n'y a jamais de carte dans aucun Dark Souls, il y a de carte. Ça peut trop le fake ça. Pas du tout. Belle analyse de la part de la marmotte. Les cartes pour enfants c'est dans Hearthstone. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez. Voilà ce petit fion moulé qui a fait des squats pendant des heures. Incroyable. Ah, comme quoi, combattre des adversaires gigantesques et sauver ton âme, moule ton boule. Une nouvelle zone. J'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. C'est terrible. Tellement chaud, c'est mieux dans le premier. Dans le tout premier, c'était le boss le plus relou. Très bien. J'ai comme vaguement l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Vaguement, on va aller voir par là. Quand ça va me ramener dans les catacombes de Carthus, je vais voir flou. Hein. Thank you.
juste pas me faire écraser. Putain, c'est une horloge. C'est quoi cette merde? Ah, on doit monter par l'autre côté, peut-être. Il a pas fait des mondes sous. Non. Bah non, je joue qu'au jeu PC. C'est quoi cette. T'as ça qui me tirait des trucs dessus. Comment ça se casse? Ah là! Parfait, y'a ça. On poche. Tout ça pour ça, c'est tout? Y'a pas un boss, pas un feu, y'a rien. Je me suis juste fait chier tout ça. Pour rien. Juste pour plus me faire tirer dessus. Cette baise. Peut-être moyen de monter là-dedans. Peut-être une échelle quelque part. Bloodborne c'est pas PC mais c'est console, c'est ça, je sais. C'est pour ça que je peux encore jouer à Bloodborne. C'est vrai, on peut pas monter dans cette daube. Si je repousse le levier peut-être. Non, ça m'a l'air nul. Ok, bah c'était nul. Super. Tout ça pour ça. Génial. Waouh. On s'est fait chier. T'as joué une console marmotte. Ouais, ouais, une NES, une Super NES, une Switch. Est-ce que tu as joué avec l'extension de WoW Marmotte? Oui, bien sûr. Allez, salut, hein, c'était bien. Putain, mais ce maxi baisse, tout ça pour ça. La lave, voyez-vous, typiquement, si j'ai raté un truc, je veux bien le savoir parce que je reviendrai plus jamais dans cette zone. Tu vas pouvoir progresser jusqu'au bas. Jusqu'à quel boss? Je vais pouvoir progresser. Parce que vous me dites que si c'est pour pouvoir progresser vers le vieux roi infernal que j'ai déjà tué, j'ai vraiment fait tout ça pour rien. Tu as fait une zone optionnelle qui n'a servi à rien. D'accord, donc je me suis fait ken. Merci, on va aller voir le château de Lodric du coup. De fait, statuer le roi c'est pour rien. Ok, bon bah voilà. J'ai découvert qu'il y avait une zone optionnelle qui n'a servi à rien. Mais en vrai du coup je ferai pas le Bloodborne et des modes sol. Ouais, Bloodborne c'est possible, des modes sol non, c'est sur PS3, le rétro gaming sur les vieilles consoles dégueulasses, non. C'est encore, si tu trouves, s'il y a Demon's Soul tourné sur PS4 Pro, pourquoi pas, en 60 FPS bien sûr, mais là, non merci. Alors, on va retourner à la danseuse, il y a un truc que j'ai pas vu dans le château de Lodric, un chemin que j'ai pas vu. Ah si, j'ai récupéré un truc... on va juste retourner
qu'on a récupéré un fragment. Je l'avais zappé, on avait récupéré un fragment de Stus. Je sais que Bloodborne c'est que sur console, mais ça PS4 ça passe. PS3 c'est quand même vraiment beaucoup trop moche. Enfin quand je vois Petit Avion jouer à God of War, je sais pas comment il fait. Les Dark Souls Remaster, je l'ai déjà acheté sur Switch. C'est déjà préco. Comment c'est le jeu de prédilection? T'as les jeux de cartes, c'est ça qui est terrible. Les jeux de cartes. C'est où je suis le meilleur. Comptez au pic dragon, c'est, je ne sais pas ce que c'est donc oui. Je sais pas ce que c'est le pic du dragon ancien, donc je sais pas comment on y va, donc non. On verra plus tard. Pour l'instant, j'avance. J'avance seul. Je marche seul. Alors là, il fallait que j'aille tout droit, parce que tout droit, je m'étais fait bolosser. Il y avait une zone où je n'avais pas été. Très bien. Oh putain. Il me l'a mise. Ah je crève comme un caca. Il me l'a mise à deux mains. Ah. Tiens de faire du guionna. Yard s'est préparé une nouvelle hache, mais elle n'épaisse pas encore assez. Elle n'est pas encore assez haut en level pour des, en DPS, la nouvelle hache. Ah, je fais de la merde, ce chevalier. Je me suis pris dans un mur et le mur m'a tué. Je l'ai pris au piège par mon mur. On va aller voir par là, c'est joli aussi. Purée! C'est des pèses de bâtard! C'est quoi des pèses de bâtard? Bon. Gros DPS. De bâtard. Le salaud. Je meurs plus sur les trash mobs dans le jeu que sur les boss, c'est incroyable. Ouais, je sais que j'étais buff par le prêtre, j'ai pas réussi à dépasser le prêtre à temps. En fait, je suis en train aussi de penser que si je suis arrête d'être con, je peux faire ça. Et que ça marche très bien. Hello. Pourquoi font-ils des plus gros dégâts là? Allez, on se casse. Ah putain, il y avait un prêtre ici. Comme dirait Maître Gims dans sa fameuse chanson, je me tire. Ce qui est important des Dark Souls, c'est avant tout d'être bon en course. Facile. Ce qu'on appelle du speedrun dans le milieu. T'as essayé ton prochain jeu récent quoi que tu vas faire, que ça stream ou pas? L'extension d'Hearthstone. Après, si je suis assez bon, God of War 4 me tente bien quand même. Ça a pas trop trop l'air de...
Très bien. Je pense que c'est pas le bon chemin, mais si on essaie pas, on le saura jamais. Bon, effectivement, c'est pas le bon chemin. Bon. Je pense que je vais rester, mais à mon avis, je suis pas sûr que ce soit tout à fait le bon chemin. Je vais avoir un doute. On est au château de l'autre Calatric. Je prends note. Ah, c'est mieux comme chemin, ça. Pas du tout, c'est le même, je suis un connard. Easy. Putain, mais il souffle dans les deux sens. Ok, c'est bon, ça doit être par là. C'est bon, je trouve. C'est bon. Si tu as fait des autres Dark Souls et que tu as lu les descriptions d'objets, c'est pas impossible de trouver le pic du dragon sans aide. Ouais, bon. Ouais, lire les objets, le lore. En vrai, j'ai préféré. Enfin, avec Madame Marmotte, on a acheté un bouquin pour l'ordre de Dark Souls plutôt que de se taper la description de tous les objets. Je pense que c'est pas l'envers. Bah, j'espère que c'est par là. Ou au moins ça se raccourcit, tant mieux. C'est quand même badass ce dragon. Enfin, y'a pas à dire que c'est dragon. C'est pas des dragons, mais c'est pas des dragons de Dark Souls. Mais... En tout cas, pour une illusion, elle est vachement crédible. Par habitude. Pas les chiens, nom de nom. Putain, c'est le monstre trop laid, lui. Il est trop cancer. J'espère qu'il peut pas attaquer d'aussi haut. C'est ici la marmotte achetée, tout à fait. Est-ce que tu comptes faire Nioh, The Surge, Lord of the Fallen? Je connais Nioh de nom, il avait l'air bien. Je connais pas The Surge. Ah, si on me dit que c'est le Dark Souls 2D ou un truc comme ça, Lord of the Fallen, je connais pas. Mais tout est possible. Bon, alors les mecs, ils se font un petit meeting. On va pas aller les déranger. Faf, ça va respecter Loki d'or. Tout le monde connaît John McClane. Ah,
Alors c'est peut-être le chemin en fait. Aïe aïe aïe. C'est peut-être le chemin. Oui, Soldier Sanctuary, j'ai lu le test Gamecube dessus. Allez, comme les Orias et les Curias, il y en a un qui va plus vite que l'autre. MDR, ça sert à rien. C'est pas la bonne zone. Ah, fallait tomber peut-être là-haut. Tous les coups font tomber là-haut. Purée. C'est le jeu de l'enfer. Casse-toi, pauvre fou! Je sais pas où je vais depuis tout à l'heure, je cours comme un âne batté, mais moi je ne meurs pas trop. Ah, bon, je fous quoi. Oula. Oh la vache. Ça fait tellement le dans Berserk là, le je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Berserk, il y a un personnage dans Berserk qui a exactement ce skin. Ok, c'est par là. Tellement quoi sert ce jaune. Putain, la petite lune noire. Classe. C'est moi où j'ai fait le tour en fait. C'est moi en fait, j'ai fait le tour du level pour rien.
Et j'ai du coup pas été du tout au bon endroit. Très bien. On va aller prendre notre level. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du niveau pour rien, mais être complètement perdu dans le game design, dans le level design. Quel cauchemar. On peut donner un 10 pour t'aider. Oh oui. Ashen One. Welcome. Very well. Then taken. La vache du monde, c'est celle que les hommes, mais j'ai pas encore assez bien celle que j'ai. C'est le problème. Farewell, Ashen One. Ashen One. Ashen One. Ashen One. Ah 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 ah. Ashen One. Ashen One. Pardon, je craque. Imprégné arme. Attendez, c'est ça qu'il faut que j'imprègne ou quoi? Ah, j'ai pas de gemme lourde, je suis con. Pretty, be careful. Quartier du dragon. Ça doit être là le quartier du dragon. Ah non. Le chamois, c'est ça. Et le chiant, souvent, si tu vois pas le truc. Mais je pense que c'est là où il y a les dragons. Je pense que j'ai raté un truc. Par contre, ce qui me saoule, c'est que tout ça, j'ai déjà fait. Non, là, par contre, je veux bien un indice pour éviter de rester bloqué jusqu'à la fin du stream. Genre, une fois que j'ai fait ça, est-ce que je suis au mauvais endroit de dragon? Putain, il y a notre chemin en face. Là, je n'étais pas dans le bon chemin. C'est peut-être simplement pas dans le bon chemin. Les murs illusoires, je m'en bats les steaks. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour avancer dans le jeu. Mais laissez-moi a priori rester là. Une cible de tir. Wow, hey, commence à péter les roll mobs là. Merci de crever. Cordialement, cœur cœur. Mais putain, y a moyen que j'ai après d'esquiver des trucs ou je suis con tout le temps. Alors qu'il y avait une échelle là. Très bien. Bon déjà, c'est quoi cette merde? Allez, à plus, hein!
Très bien. Du vomi partout, du gros caca noir. Ok, là je me suis fait bolos, t'avais plein d'ennemis. Alors, elle est vers moi, elle est vers moi. Donc ça c'est une mimique, si je dis pas de conneries. Bah en mode, si tu trouves là les chevaliers noirs, tu l'utiliseras. Mais non, mais je suis déjà là. Merde, le con. Putain. Tamir. C'est pas les mêmes mimiques que d'hab, celle-là, c'est amusant. C'est amusant, non, mais... J'aime pas les mêmes patterns que les autres. Qu'est-ce que je disais? J'ai déjà une hache que je suis en train de booster, c'est la hache de Irm le géant là. Je pense qu'il y a mieux que celle des chevaliers noirs. Chalope. Tu vois pour la peg ça. Ouais, il manquait justement des écailles scintillantes. Alors, il y a un gros chevalier. Ah, voilà la herse qu'on va pouvoir lever. La grosse herse avec le dragoon. Parfait pour être les anas de retour. Imaginez ces échelles et les feux de copeaux des mimiques. Je suis persuadé que t'as forcément quelqu'un qui a mod un mod Dark Souls pour qu'effectivement tous les objets puissent être des mimiques. Ces marais sont considérés comme morts maintenant. Et c'est parti. Oh la vache. Non mais faut arrêter là. Ok, il y a un boss là. Nice. Faut arrêter de booster le chevalier, c'est malsain à un moment. Cool d'un loot. Ah, on taquenne. Coucou, monsieur là, moi aussi j'y crois en moi. Ich bin croit en moi beaucoup. Ich bin croit en moi très fort. D'accord, ça nous ramène là, ça nous a débloqué le... Ok, chemin pour le boss, parfait. Pour aller beaucoup, beaucoup plus vite au boss, nice. J'espère qu'il m'entend plus en haut. En mode surprise, motherfucker. Allez. On va voir qui c'est. Je connais pas. Allez, c'est parti. C'est quoi cette merde? L'armure de tueur de dragon.
Voilà. Ok. Ok. C'est temps de battre sur 20. Putain, le bouclier marmotte, esquive les boucliers. Oh, ça pue. Putain, mais c'est à chaque fois, c'est le bouclier qui me met dedans. La musique est tellement swag. Erreur, erreur du jour. L'erreur, allez, last try. Last try. Allez. C'est de ma faute, j'ai fait de la merde. Les oui, je compte faire les DLC, bien sûr. Faut que j'aille à la danseuse du Valboril. Bah, last try déjà, oui, last try, car après-midi. Midi, c'est le lunch play, bien évidemment, avec la mes compagnie. Midi, lunch play, à 14h, je prendrai pour la JVTV sur Darkest Dungeon, avec un karaté le croisé qui carie de ouf pour l'instant. Et également avec une Fury à la pioche qui défonce des araignées. C'est assez étonnant. Ça descend, ça se passe comment? Ah, ça se descend. Bon. Ouais, je renverrai l'ascenseur. J'ai oublié de complètement de renvoyer l'ascenseur. Je sais pas pourquoi la drogue. Ouais, il y a quelqu'un qui a fini les 3 Dark Souls à la suite sans se faire toucher. Je sais, je par cœur, mais. Un speedrunner, il a fini les 3 Dark Souls à la suite sans se faire toucher une seule fois. Ouais. Doesn't fly. Quel con. Deuxième petit coup de la grid, bien sûr, un classique. Faut que j'arrête de grid sur ce boss. Putain, elle est déjà sur moi, quel bâtard.
toute façon j'imagine qu'il y aura une P2 hein, c'est trop bon, on est dans Dark Souls. J'ai plus d'endroit pour esquiver. Allez! Un bon jeu vidéo! Je vous laisse un lunch play, hein? Hein, je vous laisse avec les lunch play, hein, un bon jeu vidéo Dark Souls.